sur Plateau Espérance TV et c'est un privilège pour moi d'animer animer émission Tala et puis Gwation, et nous qu'a mm -hmm. remercier hein, tous les téléspectateurs qui ont regardé émission Tala mais aussi les auditeurs d'Espérance FM le 91.6 nous qu'a mm -hmm. remercier Serge qui a la technique et mode pour travail là à et nous qu'a profiter pour nous dire tout le et ben prends temps pour écouter sa bon Dieu, dit nous, en disant tant qu'il est si difficile. Gracien bienvenue en le plateau, comment y est? Eh bien, bien par la grâce, bon Dieu. Un grand coucou fraternel pour tout le monde qui a regardé l'émission. Je pense que l'émission a là un bien-être et je prie prier, bon Dieu, pour que la parole aille jusqu'en lion de la terre pour la connaissance de Jésus-Christ. Merci. Oui, alors, nous ni un grand thème important mm -hmm. en disant le livre du de, Deutéronome oui, yeah. et la vérité présente dans le Deutéronome. Mm -hmm. C'est vraiment un livre qui a poussé nos digression parce qu'en réalité, la nid de ah, croix a nourri foi nous, de, de, et, de de de. nous de. et puis a persécuté par la grâce de bon Dieu. Dernièrement, nous parler et quelle est cette grande nation mm -hmm. Et nous tirons pile ah, enseignement pile là, qui mène le bon Dieu choisi ce peuple là. Ce pas parce qu'il a été meilleur qu'il d'autres peuples, ah, mais mon Dieu a été fait promesse là mm -hmm. à Abraham. Mm -hmm. Et par rapport à cela, il tient pour là. Mm -hmm. il mène le peuple là jusque dans la Canaan et terrestre. terrestre. Et par rapport à cela, c'était <coughs> ben une jeune génération hein, qui est entrée, encore plus nombreux encore, pour montrer que bon Dieu n'a pas qu'à mentir, il ça. a les étoiles. Aujourd'hui, nous avons un thème important gracieux qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'on dit, c'est la loi et la grâce. puis grâce pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion où nous pour nous ouvrir parole pour nous essayer de comprendre ça ou les relever mais sans l'Esprit Saint, Papa, nous ne pouvons pas faire rien. Nous nous supplier, accordons-nous l'Esprit Saint. Et que moment là ensemble, nous nous passer là, c'est un moment inoubliable. Et tout le monde qui a trouvé du quoi pour nourrir nous, oui, santé spirituelle. Nous béni non en nom Jésus. Amen. Amen. <coughs> Texte là, qui a servi de base gratia, qui trouve quoi, on dit dans Galates 2, verset 21. Bien, Galate 2, verset 21, il a dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Et c'est un homme qui écrit le plus, en la loi et puis la grâce. Maintenant, pour essayer de convaincre qui jouit, qui moune, qui non juif, comment dire, la grâce, mon Dieu, et puis la loi, mon Dieu, les de paix. Oui, alors nous avons voir que la grâce, le grand thème de la loi et la grâce, il y a dit mm. dans toute la Bible, oui. Bible, même ah, s'il est oui. exprimé de différentes manières, et nous pouvons voir qu'il y a un cœur aussi du livre du Deutéronome, et nous avons voir ça ensemble. Et c'est ça, ça qui doit, c'est que ni monde qui les séparer la grâce et puis la loi. Or, il mm. n'y a marché de paix, vous comprenez oui. Il y a un séparable, oui, oui. et nous avons voir ça. Nous pouvons ça. Alors, nous entrons dans les thèmes-là là même. Est-ce que la loi t'a existé exister, existé ciel-là, et à ce qui faut Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Bon Dieu, c'est un Dieu d'homme. Bon Dieu, c'est un Dieu de principe. D'accord Et c'est ça qui a fait la force bon Dieu, c'est ça qui a caractérisé. Donc, inévitablement, si bon Dieu, c'est un Dieu d'homme, si bon Dieu ni gouvernement, n'y a ce gouvernement qui peut donc maintenant euh, euh, instituer, qui pani des lois à la base pour structurer, pour mm. permettre maintenant ces eh, gens qui vivent là maintenant épanoui et puis être soumis et puis obéissant. Donc la loi qui existe en mm. Alors mm. l'on dit la loi qui existe en danciel là, est-ce que vous euh, les dit que la loi qu'on inscrit dans les dix commandements, c'est qu'il existait qu là. Le principe de la loi qui existait maintenant est formulé, qu'on y formuler pour les hommes. Pour les hommes, il y a des nuances. Ouais. Il y a des nuances. Mais la loi qui qu existait dans le ciel, parce que m'a remarquer que la transgression de la loi qui a produit le péché. Mmh. Or, Lucifer, hein, porte-lumière, hein, chargé maintenant à il n'y a prérogatives. Maintenant, il était puis évolue, au dit, dans ce ciel-là, et puis est au service, mon Dieu. Donc, il n'y a pas lois qui t'ont gérer, qui t'ont réglé dans ciel. Alors, la Bible apprend-nous que Ézéchiel 28, il transgressait la loi. On texte là, Ézéchiel 28, verset 15 à 16, pour montrer qu'en réalité, s'il n'y a péché, c'est parce qu'en quelque part, il a transgressé. Oui. Transgresser la loi et premier ouais, transgresser au guignis, c'est Lucifer qui vini le diable et Satan. Oui. Alors, verset 14, 15 et 16. Hein. Ézéchiel 14, a dit Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres intestolantes. Tu as été intègre dans toutes ces voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi. D'accord Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Verset 17. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre au spectacle. Maintenant, Bible a dit non au verset 15. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis que tu as péché. Depuis. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. C'est-à-dire l'iniquité, c'est-à-dire le péché, la désobéissance, mm. hein, la rébellion. Et c'est cela. Donc, donc si ni péché se... ni transgression de loi en quelque part. Il mm. Ni transgression de loi. Oui. Et donc, remarquons ici, que donc il y a un attente, maintenant à une loi qui morale, un loi qui morale. La loi morale, c'est la loi maintenant qui a eh, maintenant qui en distance entre vous où et puis créateur où. Mm -hmm. uh, entre trois et puis le supérieur où maintenant à partir du moment où porte à tête à intégrité là ou désobéit et où a retrouvé corps à porte à faux et oui. c'est ça qui passait pour Lucifer et nous avons remarqué que là nous avons allé profondément et puis nous avons lu certains auteurs nous avons vu que Lucifer a pendant qu'il était en période de rébellion, il déclarait ouvertement que la loi qui a régi le là, la loi Moualta qui a régi le Sénat, c'est une loi qui est trop raide pour observer. Par conséquent, et puis beauté, et, et puis force, et puis intelligence, et puis sagesse, il peut même être supérieur à celui qu'on a appelé. Oui. Dire. Alors regardé, effectivement, bon, loi, hein, hmm. là, nous avons gardé, nous avons qu'effectivement, je t'ai dit, loi est ciel là, pour régler et gérer et tout. Et... Créaturie, le les euh, anges, etc. Mm. Mais les créer l'homme y adapter la loi en fonction de l'homme. Si nous disons comme quoi les 10 commandements tels qu'il y a écrit là, mm -hmm. dans le ciel, là, nous sommes bien, par exemple, commandement il qui dit comme quoi que On a ton père et ta mère, il n'existe mm -hmm. pas dans le ciel. là ça. Oh, le principe ouais. de la moralité. Voilà. Aller. Maintenant, mais adapter pour les rapports des hommes. Donc, de, de même qu'il y a la loi morale pour pour maintenant permettre aux fidèles de vivre dans la soumission, dans l'obéissance, maintenant, dans secret, le... il, il y a aussi les lois physiques. Oui. Parce que nous ne pas oublier que c'est Dieu qui créait les galaxies, qui créait toutes bagailles, mais c'est la loi de la pesanteur et que par conséquent, c'est lui qui a géré toutes ces bagailles-là. Oui, en ouvrant les affaires et, et loi, mm -hmm. la loi et la grâce, alors, lorsque vous regardez et la loi et la grâce, en introduction, vous avez dit, il Soudé. Non, y a soude. Maintenant si on est séparable, pouchi ni en le monde cadeau comme quoi que c'est pas grâce sauver, la loi pas ni pièce valée et rien pour faire et nous pas pour observer la loi parce que nous grâce et sinon, nous sous la grâce de Dieu. Qui s'appelle Paul à dans Romain oui, 7, 7, 7 verset 7 nous ka dit la loi est-elle péché loin de là? Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais jamais connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Mmh. Donc, les préceptes, préceptes de la loi morale là maintenant pour permettre nous vivre maintenant en harmonie et nous. Et en harmonie aussi et puis bon Dieu. Qu'est-ce que bon Dieu décide de créer l'homme, ce n'est pas premier bagage, mais ce n'est pas la loi. Hein? Parce que la loi, c'est qu'à transparaître en disant bon Dieu. Mais pour c'est L'homme, oui. c'est l'amour, c'est la grâce. Mm -hmm. Parce que c'est par grâce qu'il crée. Hein? C'est par amour qu'il crée. Et le mot grâce et puis loi associées. Ils sont indissociables. Ils ont peuvent l'autre. Et là, bon, Dieu a créé l'homme. Regardez, hein? avant, il a l'homme, il mettait l'homme là. Maintenant, il mettait la nature. Hein? Mm -hmm. Il mettait manger, il mettait bras, il mettait tout pied, brè, il mettait tout bagaille. Ce n'est qu'après, il finit tout cela, il dit garder tout ça c'est temps. D'accord, d'accord. Vous comprenez? Oui. Alors, nous croyons que la loi n'est pas qu'à sauver. Non. Ce n'est pas grâce nous sauver. Alors, pour quelles raison faut que nous observions la loi? Eh bien, c'est -ce justement, c'est justement pour que ça comprenne le sens de la loi. Il faut d'abord comprendre sans ce qui mette la loi. Qui ça il mm. fait mm. Parce qu'avant il a le commandement, il hein? hein? expérimentait l'amour. Avant, bon Dieu, il a la loi sur le mont Sinaï. Qui ça il fait Il peut pas en Égypte et il dit voici le commandement, fais ça, et puis je vais garder ce qu'il fait, ce qu'il a pratiqué, je vais venir pour me sauver. Non, il tirait le peuple. Il libère. Il et là, il libère, maintenant. Il menait Adam en confort. En confort, maintenant, Adam suivi, puis il menait vers le paradis. Et puis il dit Je vous rappeler les préceptes des commandements. Si vraiment, ou reconnaissez à l'égard dit ça, moi, je fais voici les commandements. Mais nous, les ces commandements, nous toujours, toujours dit dans le livre de théo Là, il dit comme quoi Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Il n'y a pas de parole là et pas même des jours. Oui, c'est pour montrer le réel. Nous dit nous capables d'observer les commandements de Dieu. Non, ce n'est pas possible, c'est impossible. Et c'est là, et c'est là la grâce qui a pris toute la dimension. Parce que c'est finalement c'est la grâce qui permet tout maintenant de marcher en harmonie et puis pousser puisque pousser et puis mon Dieu qui a fait yon, et mon Dieu c'est la grâce c'est pourquoi bon Dieu dit c'est moi qui ai mis moi et quoi il fait volontairement eh bien, donc nous avons avancé alors parlez nous de la loi en dans de déteronome. et pour qui est au cœur du livre là ah ouais toute la loi au cœur du Deutéronome et là maintenant moi je a rappeler dans le livre du Deutéronome a parler de de réécouter la même la première loi c'est-à-dire une écoute en deuxième fois, oui. pour un peuple maintenant qui a rentré, en rentré. la loi. Parce répétite. que les anciens, maintenant, vont Et c'est en génération assez jeune maintenant qui a rentré. Donc la répétition de la loi. Et c'est pour ça, Deutéronome, a souligné, et a rappelé, souvenez-vous, plusieurs textes. Euh, oui, nous prend des textes rapidement dans Deutéronome pour qu'il on dit dans chaque ces passages-là. Et Pouti, point à la tête, si important à Peptala. Deutéronome euh, 4, verset 44. Deutéronome 4, verset 44. Il a dit nous, maintenant, c'est ici la loi que présente Moïse aux enfants d'Israël. Donc, c'est un rappel, oui. la loi. Et donc, donc et les Deutéronomes qui parlent de la loi nous rappelé. Que ce n'est pas seulement la loi qui est sur la montagne de Sinaï, les dix principes d'amour, mais c'est tout l'ensemble de la c'est-à-dire la Torah. Oui. C'est-à-dire maintenant l'ensemble des lois et des prophètes, maintenant, qui permettent de vivre en vie, en harmonie. Et puis... nous en de Deutéronome 17, verset 19. Deutéronome 17, verset 19, qui dit Il doit la voir avec lui pour. Il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Très eh bien. Nous ne pas nous pour nous lire mmh. tous ces passages-là, puisque oui. toute comme était au cœur et la loi de Dieu oui. Et sans loi d'amour ou bien peuplé. Et puis pour bien les autres nations, le Placajen pour présenter la loi Bondier. Alors, et Gassian, on nous parlait des Letovlaks, hein, et Pouchi Motala qui sont comprennades dans des autonomes 10 verset, Il y en a quinze. Ah ben, la belle passage. C'est justement maintenant l'amour de Bondier qui permet tout être soumis et obéissant. Et donc le chemin de l'obéissance qui Fais ramification pour être heureux. Et c'est ça, ça signifie. Pour que tu sois heureux. Et c'est oui. ça, le ça signifie. Oui. Mm -hmm. oui. Pourquoi heureux? Alors, Deutéronome 10, verset 1. Nous allons lire des passage en dit rapidement. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille deux tables de pierre comme les précédentes et monte vers moi sur la montagne. Nous te ferons bien lecteur là, prochainement. Et alors, la montagne, et tu feras aussi une marche de bois, etc. Et il cabaye tout processus-là. Mais finalité, texte-là, euh, il a dit le nous verset pour, 15. Euh, non, non, on ne peut verser 11, 12 et puis 13. Alors nous oui, allons, oui. verset 11. Oui, 11, 12 mm. et puis 13. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré donner à leur père. Maintenant Israël, qu'a de de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu le craignes, tu mm, craignes ton Dieu, mm. afin de marcher dans ses voies d'aimer l'Éternel et de le servir, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme. Verset 13. Si, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et les lois qu'il te prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Oui. Alors, qui maniait la loi, bon Dieu, pour nous, heureux parce que nous, maman Israël passé, mais c'est nous qui l'agent Mais oui, l'observation de la loi a été heureux parce que nous a quatre commandements qui qui de voir ou envers bon Dieu, aimer mon Dieu par-dessus tout. Et puis, il y a six, six pour, euh, le pour le prochain. Maintenant, là où vivre en harmonie puis bon Dieu, ou qu'à craini, ou pas qu'à fait une image taille, ou pas qu'à prendre mon Dieu en vain, ou qu'à respecter le jour d'adoration. Maintenant. Ensuite, et puis entre prochain, ou quoi respecter prochain. Et dans tous les six commandements qui ont commandé, respecter prochain, ou quoi vivre. Et puis, ou quoi vivre heureux, ou c'est un homme qui est heureux. Parce que le texte-là a dit nous, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, pour le bonheur, hein? 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 Mm. donner une loi grande et magnifique. Mm. Maintenant. Et, oui, et puis, si vous ne peut pas être heureux. C'est ça. Parce que, il a transgresser en loi, ou pas en paix. Par exemple, quoi mm. sous la route, mais ou pas ni l'assurance ou bien ni ou pas bon. Depuis, yon fait appel fa, ou sorti, j'ai d'accord, ou pas de sauter. Ou même, ka fe, ka, ou pas de paniquer, ou pas en paix. Uh -huh. C'est pour raison que tu as en harmonie, quoi, vivre en harmonie. Uh -huh. Et puis, les principes que bon Dieu va bah, nous, il uh -huh. est dans la paix, et si vous êtes dans la paix, vous êtes obligé de soigner. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours rappeler comme nous. Que sans l'aide de bon Dieu, sans la grâce de Dieu, personne ne peut pas satisfaire la justice de la loi. Un oui. seul homme, divino humain, qui vient pour satisfaire la justice de la loi, pour que nous-mêmes, à la suite de l'obéissance, suivre la grâce et puis pour nous reconnaître devant bon Dieu, que oui. finalement, bon Dieu, nous reconnaît à travers Alors, dit. pour ce thème-là, qui a viré si souvent, on dit dans le livre de Théronome, esclave en Égypte, plus libération, salut. Tout le temps, oui C'est important. C'est important. Là où est maintenant Adam et dit dans le jardin? Adam ici. Voilà les commandements bon Dieu. Mais maintenant, il était qu'à appartenir à Dieu par droit de création. Vous comprenez mm -hmm. Maintenant, Adam, il venu pécher. Bon Dieu, montrez les sacrifices qu'il fait. Maintenant, le processus de la rédemption en attendant Jésus qui était est venu. Maintenant, peuple, maintenant, c'est à cause du péché. Toujours, trouvez qu'on en Égypte pendant 430 années, Bon Dieu, est libérer Et bon Dieu, mène yo vers la voie de l'épanouissement, vers la joie, du, la voie du bonheur. Et il a dit, rappelez-vous. Que vous n'avez pas autres comme C'est important. Vous pouvez pas peut faire rien. Si vous peuvent pas faire, vous n'avez pas de faire. Vous restez 430 ans. Vous descendez. Vous libérez. Je que vous pas de gouvernement sans loi. Et je vous rappelle les préceptes et les commandements pour que vous vivre heureux. Et c'est pour ça que l'éternel qui a venu dans Deutéronome 5, la, la loi répétée, il a dit quoi il a dit, que, rappelez-vous que vous êtes esclaves en Égypte. Et c'est moi qui libérez les autres. Oui. Pardon, le commandement du sabbat, qui a pris un tournure extraordinaire, Maintenant, mm -hmm. le commandement du sabbat qui a venu ici, là, et je dis que, qu a dit que tu observeras le sabbat. Parce que tu te, veux te rappeler que tu étais esclave dans le pays d'Égypte et, et, et l'Éternel t'a libéré. Et c'est là qu'il y a une différence entre la loi dans le Deutéronome uh -huh. et puis la loi dans l'Exode. Dans l'Exode. Maintenant, la loi dans le Deutéronome est attachée étroitement à la rédemption. Oui. La rédemption, le salut que Dieu porte à ce peuple-là. Et c'est important parce que dès le départ en Égypte, nous avons la grâce mondiale. Puisqu'il faut que tu un agneau, exact. un agneau, mm -hmm. passer sans laisser l mm -hmm. la porte là, ensuite manger et pains, et quitter sans le vin, oui. Oui. Mm -hmm. et puis tu les herbes amères, tout cela, pour te changer la mer, tu tout cela, et puis, bon Dieu, libérer peuple là. Donc, quand on dit ça, mm -hmm. le premier bagage fait, c'est mettre la grâce, l'amour mm -hmm. en action. Et puis après, il fait par grâce toujours. Yes. Et c'est par la foi qu'il traverse la mer Pour avancer de l'autre côté. Mm -hmm. ya, et puis, bon Dieu, a présenté mm -hmm. maintenant uh -huh. la loi. Oh. Au premier symbole, uh, uh, la création, tu m'appartiens parce que je t'ai créé. Mm -hmm. C'est ça, bon Dieu, il a dit. Ici Mais il y a un deuxième symbole qui, ici, ya, uh, tu m'appartiens ou qu'appartiens-tu à moi parce que je rachète un droit de création et droit de rédemption. Ça, c'est deux choses. Alors maintenant, nous, avons que depuis par droit de création, la grâce et la loi qui les deux pair, maintenant, dans la rédemption, la grâce qui baisé la loi, il a dit le courou, maintenant, mm. c'est légitime, le courou de la loi, parce que Dieu, pour transgresser la loi, la loi qui a exigé, il a exigé juste, la justice. Et comme la justice, on peut pas produire la justice. La grâce qui a baisé la loi et puis qui a dit à travers la rédemption, Jésus. Moi satisfait. Alors ça pour nous comprendre, c'est que ouais. même manière, bon Dieu, grâce au peuple Israël et puis il fait dire un peuple privilégié, uh -huh. c'est pour le les autres peuples bénéficier. Mmh. Donc Israël pas le peuple, battre l'estomac yes. et puis il dit comme quoi que eh ben, le salut, c'est lui qui a et le salut et mmh. puis les autres, là, ils ont quoi, des Mais même, je dis, il y a gens qui ont accepté Jésus mm. sans grâce. Sans Mais ils peuvent partager grâce à là, pu... là. et puis les autres, grâce à Absolument. Ils peuvent partager grâce à là et puis les autres. Non, pas puis battre l'estomac, puis dit que moi-même, me comme moi-même, me en faire quelqu'un. Dis-moi, mais non, mais faut il dire merci bon Dieu et c'est grâce à bon Dieu qu'on m'a fait ça. Et c'est donc nous Kawe maintenant à dans le livre du Deutéronome le principe de la justification par la foi. C'est ça, ça, ça pas nous qui parler là à présent là puisque c'est pas à cause du justice je dis juste nous Kawe qu'il y a le monde qui tourne autour de la justification par la foi. Ouais. Il y a dit et je ne comprends pas ça. Tellement je ne comprends pas ça. Alors, qui ça qui est si difficile, Gaussian, à donner la justification par la foi pour personne pas s'arriver à comprendre ni, ou bien c'est qui ça, la justification par la foi? Alors, mon cahier lit une citation et puis ensuite mon cahier explique. Alors, qu'est-ce que la justification par la foi? Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la <laughs> poussière et qui fait pour lui ce qu'il ne peut faire lui-même. Lorsque les hommes constatent leur insuffisance totale, ils sont prêts à être revêtus de la justice du Christ. Mmh. C'est un bel passage. C'est ouais. la gloire de l'homme qui déposait dans la poussière, qui enterré dans la poussière. Et c'est bon Dieu qui a fait ça. Donc la justification, légalement, la justification, c'est l'acte, c'est le décret hein, de Dieu. Maintenant, c'est un décret, c'est l'acte qui qui a déclaré les pécheurs qui croient en Jésus juste. Qui accepte Jésus. Oui. Alors, et qui ça Romain 4, 3, qui a dit qu'Abraham fut Et cela lui, lui fut, fut imputé à justice. Oui. Ou compté à justice. Com oui. Compté pour juste. Oui. Parce qu'il croit. Oui. Parce qu'il croit. Ce n'est pas rien qu'il fait. Tout ça il fait venir après. Oui. Mais oui. au départ, il croit. Et c'est là qui base et salue celui qui croira sera baptisé, oui, croit en Jésus pas au baptême, c'est pas le baptême qui a sauvé, non, celui qui croira pas quoi au sabbat, c'est pas le sabbat qui a sauvé, c'est le maître du sabbat qui a sauvé, quoi, et en foi, ou quoi, ou accepter Jésus, mais c'est ça qui est la justification par la foi et puis là maintenant, Jésus qui a continué plein, dit donc, qui a metté les œuvres juste Static. On dit donc pour peut ça? Pratiquer. Pratique donc personne ne peut pas battre l'estomac pour dire c'est la cause de bon justice. C'est décret, eh, mon Dieu. Au-delà, mon Dieu, pas besoin l'homme pour faire ça. C'est qu'il fait. Eh, mm. C'est l'excellent qui fait ça. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous n'y qu'à accepter et puis dire oui, mon Dieu. Donc, regardez à l'esprit de Théodome 9, verset 1 à 6. Alors, et qui ça est, et, et Moïse d'Ipplah ouais. Et en qui ça oui, c'est Paul là qui a révélé nous de manière frappante la réalité de la grâce de Dieu. Donc, Deutéronome Oui, Ouais, 9, Et bon, verset hein. un à 6, Israël, oui. tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes fortifiées jusqu'au ciel. Deux peuple grand et d'une haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu de bois. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant qui les humiliera devant toi. Tu es. Tu les chasseras et tu feras périr promptement comme l'éternel te l'a dit. Lorsque l'éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'éternel les chasse devant toi non ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères à Abraham Isaac et Jacob sache Vers donc six là. sache On va donc finir. que ce n'est point à cause de ta justice quand l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au courant. Souviens-toi et n'oublie souviens pas cela. Maintenant, ces préceptes-là qui te c'est les mêmes préceptes pour nous. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que nous avons observé le sabbat. C'est pas parce que nous a rendu la dîme les offrandes. pas parce que tous les samedis nous avons venu à l'église. c'est pas parce qu'elle nous a fait bien et nous a porté un panier de nourriture. C'est pas ça que nous le salut. C'est parce que bon Dieu décidé sauver a décidé de nous sauver et de nous Mais c'est à la suite garçon, a nous a marché et c'est lui qui, qui a produit ces œuvres C'est pas Ce C'est pas grâce. Oui, Absolument. alors, Gracia, nous avons fini les passages de qui a fait partie de la justification par la foi. Mm -hmm. Apocalypse 14, verset 6. Oui. Oui, mm -hmm. ben, nous passons à cela. Mm -hmm. Et puis, pour ton conclusion, tu en finis les nous mm -hmm. Alors, Apocalypse 14, verset 6. J'en un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Oui. Maintenant, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi au début du propre amant dit Nous ne pouvons pas dissocier la loi de la grâce. » Et c'est l'évangile qui est qu Depuis le jardin d'Éden Et qui bon Dieu fait toute bagaille Il connaît l'homme et il donne le précepte de la loi Maintenant nous qui esclaves en Égypte Bon Dieu, rachetez-nous. Nous avons parlé de l'Égypte spirituelle, des convoitises, de le train de ce monde. Nous étions étrangers à la vie, Bon Dieu. Bon Dieu, venez visiter-nous, nous répondre à cela. Donc, nous considérons nous comme des étrangers puis des voyageurs à sur la Terre. Très bien. et En bref, malgré nos fautes, nos défauts, nos trois c'est-à-dire, le Seigneur accomplit cette œuvre merveilleuse pour nous et en nous. Par conséquent, il nous demande de lui obéir et d'obéir à ses lois. La promesse nous a été faite et a été tenue. Ainsi, même si elles étaient bonnes, ce qui n'est pas le cas, nos œuvres et notre obéissance ne pourraient jamais nous sauver. Au contraire, nous les accomplissons parce que nous sommes sauvés. Le Seigneur nous a sauvés par grâce. Maintenant, la loi écrite dans nos cœurs et son esprit qui nous donne la force, nous allons de l'avant et nous obéissons à sa loi. Bel passage. En en nous belles belles finis, ça pas fini puisque nous n'avons rien nous a fait mm -hmm. pour être sauvés, mais mm -hmm. c'est par grâce. Et tout ça nous fait, mm -hmm. nous ne pouvons pas dire c'est à cause de justice, nous, parce que c'est encore la grâce, mon Dieu, qui a fait, nous, accomplir toutes ces oeuvres-là, bonnes que soit elle, mais mm -hmm. par le Saint-Esprit de Dieu. En nous prier. Papa Dieu nous cadeau, merci pour l'opportunité où nous encore aujourd'hui à dire ouvert parole-là, ouvert bible et puis entrer même dans le cœur de l'évangile. Yes. La justification par la foi, la loi et la grâce, c'est un ensemble, bon Dieu a pa ka aller sans l'autre, mais mm -hmm. c'est grâce à grâce et et puis force ou, e, e ou nous, que nous quand y en pratique la loi nous quand e, venir plus meilleur et en dit dans foyez nous plus meilleur en dit dans société a et puis chaque jour nous quand y faire mon goûter bonté ou mm -hmm. et puis faire entrer en dit dans grâce au yes, là merci mon dieu de di continuer bénir nous mm -hmm. et fait nous grâce en nom jésus amen, amen. alléluia